Ce matin, dans la case libre, il est avec nous. Ce matin, exceptionnellement, on l'a eu tout l'été dans les oreilles. Il nous a enchanté le tube. C'est bien sûr Rayon de Soleil. William Baldé, bonjour. Bonjour, bonjour. Et si je vous dis Mangui Firek? Ah, Mangui Firek, oui, c'est la réponse quand on dit Nangadef, oui. Eh ben voilà, Nangadef, je savais plus dans quel sens. Nangadef, Mangui Firek, c'est ce qu'on dit en Wolof pour dire bonjour. Pour dire bonjour, oui. Voilà, parce que vous, le Sénégal, tout ça, la Guinée, c'est quand même votre pays d'origine. Exactement. Et moi qui suis. Le Sénégal, c'est aussi mon pays. Oui. Voilà. Et Nangadef Mangui Firek, j'ai toujours retenu. C'est quand même très sympathique comme. Oui. Bon, William Baldé, cet été, ça a été chaud pour vous? Cet été, ça a été chaud. Je suis parti, donc j'ai pas suivi. Quand vous n'étiez pas en France? Non, au mois d'août, je suis parti, ouais. Ah, et vous n'avez pas senti. Un peu de distance. Ah, d'accord. Vous aviez pas envie d'être submergé sur les plages? Oh, bah, c'était pas tellement de submerger sur les plages, mais je trouvais que c'était intéressant de pas être là pendant que, en fait, je suis parti parce que j'avais pas spécialement de promo à faire, voilà. Je ne devais pas me rendre disponible. Donc, je suis parti pour profiter un peu et me reposer parce que j'étais très fatigué. D'accord. Et voilà, mais par contre, au retour, je l'ai senti, ne serait-ce qu'à la douane. Ah bon, déjà? Voilà. Déjà à la douane, ouais. La bon. Tu vas contrôler, le monsieur m'a dit, ah, mais je vous reconnais, c'est Rayon de Soleil. Alors voilà, je m'appelle plus William Baldé, je m'appelle Rayon de Soleil. Ah, bah, vaut mieux se faire appeler Rayon de Soleil que ma main sur ton cul, quoi. Éventuellement. C'est quand même mieux. Je n'avais pas pensé. Bon. Et donc, le grand public vous a découvert cet été, mais pour ceux qui sont un peu plus dans la musique, il faut quand même dire que depuis les années 90, 96 exactement, vous êtes dans le circuit, vous avez fait les premières parties de tous les concerts. D'ailleurs, ça a même continué cet été avec Christophe Maé, qui lui vous a donné le coup de pouce. Et maintenant, c'est l'envol. Bah, maintenant, tout se passe très bien. Voilà. On est sollicité. Voilà. Non, tout va vraiment bien, quoi. Alors le problème maintenant, c'est qu'il va falloir marquer un deuxième essai, et c'est pas évident avec une déferlante comme ça pendant un été. Un deuxième essai, disons que il y a un album qui est sorti avant le single. Oui, qui s'appelle Encore étranger. Qui s'appelle Encore étranger, il y a un album qui est là, on n'a pas fait juste un single pour voir comment ça allait se passer. On a fait un album avant et j'ai pas mal de chansons, je prépare, à la limite, je suis même prêt pour le deuxième album, donc voilà. Ah oui, d'accord. Donc vous n'êtes pas le jeune sorti de la Starac avec un one shot. Vous avez la matière derrière. On a la matière derrière, donc voilà. Je ne suis pas très inquiet par rapport à ça. Donc j'attends impatiemment la tournée pour faire entendre aux gens des chansons qui sont même pas dans l'album. Donc voilà. Et ben justement, en parlant de tournée, cette tournée solo, elle passera dans la région le 21 novembre à La Vapeur à Dijon, et vous serez le 28 novembre à Besançon. Merci beaucoup. Voilà. J'ai pas devant les yeux, donc ça tombe bien. Mais moi, j'ai tout sous les yeux. Alors, est-ce que ça vous a permis un petit peu ce décolle de faire des rencontres, d'aller un peu plus vite, de sentir quelque chose, ou on a le temps de prendre du recul? C'est-à-dire? Je sais pas. Est-ce qu'on n'est pas trop assailli, justement, et que ça mange sur la partie artistique de l'homme? Non, ça va, parce que je prends toujours le temps au même moment, c'est-à-dire plutôt le soir pour écrire, composer, donc, c'est assez tranquille, hein. Et c'est vrai que Rayon de Soleil, vous l'avez dans les cartons depuis longtemps? Depuis 7 ans, ouais, ça a été écrit il y a 7 ans, ouais. Et à aucun moment, il y a quelqu'un qui a dit « Oh, celle-là, elle est bonne », et c'est vraiment un moment top de donner, c'est pas possible. Mais en fait, je ne veux pas, jeter sur les gens qui avaient entendu avant, parce que beaucoup de gens m'avaient dit que c'était un très bon titre, mais les arrangements de départ étaient moins sexy, disons. D'accord. Donc et les derniers arrangements sont nés il y a moins d'un an. D'accord. Donc, je pense que ça a beaucoup aidé par exemple Warner à signer aussi, quoi. Bon. En fait, quand Warner nous a signé, la plupart des titres étaient déjà arrangés tels quels. Alors, pour faire un petit peu d'humour, il y a des gens qui disent ils surfent sur la vague des Ch'tis du Nord avec le film de Danny Booth, parce que la chanson, elle commence par ah. Donc. Oui, je l'avoue, je suis démasqué. Et c'est vrai quand on commence la chanson, ah, rayon de soleil. Ouais. Mais moi, je suis un Ch'ti du Sud, par contre. Ah bah voilà. Donc. Et je pense que le ah de départ, il y a fait pour beaucoup quand même. Oui, je pense aussi. Bon, William Baldé, ça nous a fait plaisir de vous avoir ce matin au téléphone. On compte sur vous pour ensoleiller nos ondes, en tous les cas, sur les radios, on en a bien besoin. Et avec des gens comme vous et Christophe Maé, on va encore pouvoir danser tranquillement et nous faire bouger le bas du bassin et peut-être même trouver le chemin du petit cul. Ah, c'est
Oui, merci beaucoup. À très bientôt, William Baldé. Merci à vous, merci Charlie.